Conseil des citoyens, saison 2. Samedi matin, en mairie, l'instance de démocratie participative, lancée en 2021 par la commune, renouvelait ses membres. L'occasion de faire le point. On peut retenir un bilan, je dirais, en deux tons. Un ton positif, parce que ça nous a permis finalement une nouvelle expérience, parce que c'est une instance qu'on a mise en place de manière exceptionnelle, innovante sur l'Ampertem, ça n'existe pas. Et puis un ton mitigé sur certaines actions qu'on a mises en place, qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui de retrousser nos manches et de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour que cela fonctionne, le Conseil des citoyens va se concentrer essentiellement sur un grand thème. Pour 2024, ce sera la journée de la citoyenneté et de la fraternité. La journée citoyenne va être vraiment notre objectif premier. Des groupes ont été créés afin de structurer tout ça pour 2024. Le Conseil des citoyens reste une instance de concertation sur les projets communaux. Le Conseil va aussi proposer aux habitants un concours à projets avec un budget participatif alloué par le Conseil municipal. L'objectif, c'est de fixer un planning à l'avance pour que tout le monde puisse s'organiser en conséquence, parce qu'on a tous des emplois du temps bien évidemment chargés, et puis surtout de travailler thème par thème pour avoir le sentiment du travail abouti, du travail fini, et je pense que c'est indispensable. Au total, ils seront 12 membres, dont 5 nouveaux, et toujours avec une parité homme-femme. C'est très important de participer, d'être acteur. Il est tellement important de participer à la vie citoyenne de sa commune. Il y a tellement de choses à faire. Je m'investis par curiosité, premièrement, et également pour un petit peu participer aux vies du village et puis un peu savoir ce qui se passe en interne. Le Conseil des citoyens a pour but de replacer un vrai dialogue avec les citoyens, d'avoir des échanges constructifs. Prochain Conseil des citoyens, le 6 décembre.